Hello les filles, je reviens. Je recommence. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et dans cette petite vidéo, crush test, je teste une petite tablette d'AliExpress, la Popfill. C'est une petite palette Popfill comme ça, avec un petit emballage très sobre, mais tu vas voir, très surprenante. Et oui. Elle est très surprenante. Moi, quand je l'ai ouvert, je le savais là, parce que je l'ai acheté, là, mais je trouve que... Et là, bam! La palette, check. C'est Eyes que c'est marqué. Elle est tellement belle. Donc, tu peux t'imaginer un peu les couleurs. Hein? Et voilà, très surprenant. Regarde comme elle est faite. C'est toutes des petits phares. Ils sont tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. Mais check les belles couleurs. Donc aujourd'hui, c'est ça que je vais plus tester, la couleur, parce que j'ai une petite camisole, comme ça, et je vais y aller un petit peu dans ces couleurs-là, du vert, du rose. Je vais me promener là-dedans. Et je vais faire aussi des petites fleurs au pochoir, puis je vais utiliser mes petits produits que j'ai achetés toujours sur le site d'AliExpress, les Julie Star, mes petites crèmes pour faire tout plein d'affaires sur ta face, waterproof, ça bouge pas, c'est extraordinaire, j'ai fait une vidéo là-dessus, va voir. Donc, sans plus tarder, je vais aller mettre mes petits soins parce que je les ai pas mis. Et puis, je te reviens. C'est ça, je te reviens. Donc, voilà. J'ai mis ma petite base. Toujours la Anastasia Concealer que j'ai mis, comme d'habitude. Et elle est vraiment belle, hein? Trop belle. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir du vert. Parce que dans ma camisole, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du rose, puis il y a du beige. Fait que je vais commencer, moi, par utiliser le vert que là. C'est un beau petit vert. Les fards sont vraiment pas gros, mais la palette est toute cute. Je trouve ça original. Reste à savoir qu'est-ce que ça a dans le ventre. Donc, j'en ai mis un petit peu. Puis là, je vais y aller avec mon miroir. Et je vais la mettre ici. Et voilà. Je vais faire comme une espèce de nuage. Sans être symétrique. J'y vais un peu au feeling. Oh! En tout cas, ça colore bien la paupière. Check ça. Hein, c'est pas pire. Ça commence bien pour une petite palette comme ça, là. Toute cute en plus. Je la trouve vraiment super belle. Ensuite, là, je vais y aller à peu près... on peut pas faire rien de symétrique. Je veux rien de symétrique. Je veux faire comme des espèces de nuages. Des espèces de coton. Tu sais, donner l'illusion. Non, mais le vert, il est super beau. Et ensuite, je vais venir dégrader avec du rose. Et dans le rose, je vais y aller. Oh my God. J'ai goût de faire un peu un mix de rose et de mauve. Même j'ai pas de mauve. Je pense que je vais commencer par celui-là et cette mauve, puis je vais venir mixer un petit peu avec lui. Ou peut-être lui. Je sais pas, hein. Je vais essayer avec le mauve. Je mets-tu le mauve ou je mets le rose? Je ne sais plus, les filles. Je pense que je vais y aller avec le rose. Le rose assez Barbie, là. Ouais, je vais y aller avec le petit rose un peu Barbie. Puis lui, je vais le mettre comme ici, là. Je vais faire comme une espèce de... Comme ça. Ah, j'ai bien fait de... Ben, le mauve, ça aurait été probablement aussi très cute. Mais là, c'est vrai que j'ai du rose dans mon... Ben, je me concentre un petit peu dans le creux ici, là. J'adore. Et là, je vais venir mettre du jaune dans le milieu. Puis un beau jaune, là, il y en a deux. Fait que là, j'ai soit lui ou lui. Mais je pense que je vais y aller avec lui parce que le jaune... Non, je vais y aller avec lui. J'ai l'impression qu'il va être assez doux, pareil. C'est un jaune-là. Je sais pas si c'est peut-être... Là, j'ai pas le bon pinceau pour ça, là. Je vais prendre... Ça devrait être bon, ça. Un pinceau comme ça, check. C'est un très beau jaune. Oh! Et là, je viens mettre le jaune où est-ce qu'il n'y a pas trop... où est-ce qu'il manque du fort. Donc, ça a l'air de ça pour le moment. Et là, je veux mettre dans mon coin interne. Là, j'étais en train de regarder les couleurs de ce côté-là. C'est beaucoup des fards plus irisés. Il y a quelques mattes, mais c'est pas ça que je veux mettre. Mais je pense que dans mon centre de paupières, je mettrais peut-être... Il y en a trois là, qui me fatiguent un peu. Il y a comme un jaune de même. Il y en a un comme ça, gars. On va y swatcher, voir c'est quoi.
qui serait peut-être le mieux. Ils se ressemblent en verra, hein? Ah! On dirait qu'ils sont pareils. Ceux-là, on dirait vraiment là, qu'ils sont... Il y a juste lui qui change. Check-lui un petit ton. C'est très léger, on voit le changement, là. Là, tu vois, lui est plus highlight, un petit peu plus jaune, lui, il y a une petite teinte orangée dedans. Fait que je pense que je vais y aller avec lui. Le premier, ici. Ah, oh, qu'est-ce que j'ai fait, là? Oh! J'espère que j'ai pas fait une gaffe. Je vais mettre ça dans mon coin interne. Oh! Oh, oh! C'est beau. Habituellement, dans ce genre de palette-là, toutes les phares lumineux comme ça sont toujours géniaux. Ils sont toujours extraordinaires, j'avoue, comparativement aux mattes, qui sont toujours un petit peu moins réussis. Mais la palette est quand même bien, je trouve, là, pour... elle fait quand même de très bonnes jobs. Pour le prix, là, c'est quand même, elle est quand même surprenante, je trouve. Et là, je vais rajouter après ça un autre jaune que je vais remettre un peu par-dessus ici. Je trouve que ça manque un peu de pep. Un petit peu comme ça. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir nettoyer tout ça. Je vais faire le fond de teint, comme je fais tout le temps d'habitude. Puis je vais revenir aux yeux ensuite, parce que ça restera pas comme ça, là. OK? Bon, je vais mettre ma petite base de marshmallow. Que... Ah, je suis en train de finir. Mais il en reste tout le temps. Hein. On dirait que ça se finit pas. Mais c'est bien, ça dure au moins longtemps. Pour le prix, hein, on espère, c'est quand même pas donné. Donc, je mets ça partout sur mon face. L'odeur, hein, l'odeur de cette base, c'est extraordinaire. Fait que les filles, j'ai décidé de vous faire tout ça en musique. Ça va aller plus vite, puis je vais vous revenir avec l'essentiel. Donc, voilà les amis, pour mon petit look, un petit peu, c'est sûr, c'est pas un maquillage pour aller faire l'épicerie, mais j'aime ça, je trouvais que cette palette-là m'inspirait ça. Bon, c'est sûr qu'on peut faire des looks plutôt simples, mais comme d'habitude, vous allez voir plein de looks, je mets toutes les palettes de côté, puis je vais les tester comme il faut, je vais faire tout plein de maquillage, ça c'est comme première impression, puis tu crash test comme ça, juste te donner une petite idée. Puis, je suis pas déçue des couleurs. J'ai même aussi travaillé avec mes petits Julie Star que je t'ai présenté dans une autre vidéo pour faire des trucs un petit peu plus, les petites fleurs, tout ça. Fait que moi, je suis très satisfaite de cette petite palette-là de Popfill. Eyes. Elle est toute cute. Elle est vraiment toute cute, des belles couleurs.
Donc, avec une bonne base, ça fait le job. C'est très beau. Moi, j'ai rajouté des petites paillettes. Donc là, je les ai plus. Je les ai mis dans mes produits terminés. Il m'en restait plus. J'ai rajouté par-dessus. Je voulais avoir de quoi de lumineux. Donc, mais voilà, le reste du maquillage est fait avec la palette et les petites Julie Stars. Ben voilà. Fait que je vais te montrer un petit peu des... Je vais pas tout te montrer, mais je te remonte la palette. Et un côté nude, un côté coloré, fait que ça, c'est le fun. Et dans les couleurs, le rose que j'ai testé, je vais te montrer les couleurs que j'ai testées. Quand je retesterai, je te remontrerai les couleurs que j'aurai testées. On a un beau rose mat comme ça. J'ai utilisé aussi le vert qui était très beau. Ensuite, j'ai mis du jaune. Au début, j'avais mis lui. Je trouvais qu'il manquait de pep. Fait que j'ai rajouté lui. Donc, ensuite, le sourcil ici, j'ai pris cette couleur-là que je trouvais trop belle dans le côté mat. Puis, dans mon centre, tapoté juste avant de mettre mes paillettes, j'ai mis cette couleur-là. Puis ensuite, j'ai mis ce jaune-là. Donc, ils se ressemblent un peu, mais un qui est un petit peu plus d'orangé dedans, un petit peu plus goldy. Donc, anyway, je te les ai montrés en début de vidéo. Ça a donné ça. Et j'aime beaucoup mon petit make-up. Donc, je vais te montrer ça dans d'autres éclairages, comme je fais toujours. Fait que, voilà, pour cette jolie palette. Si tu veux, je mettrai des photos comme je fais. J'ai pris un petit peu l'habitude de faire ça avec les produits AliExpress. Fait que, on ne changera pas la façon. Et puis, voilà, pour ce petit maquillage d'un petit peu plus près. Donc, je déplogue le micro puis je me promène. Bon, ici, d'une position différente, l'éclairage est très cute. J'aime trop. C'est bien. Pour un petit festival, là, je trouve ça trop cute. Ici, dans mon salle de bain fidèle à sa petite couleur jaune, mais c'est quand même très beau ici aussi. J'adore. Puis, ça va bien, hein, tu sais. J'avais dit que je prendrais ma petite camisole comme référence et je trouve que... Hein, très belle référence. Et voilà, à la lumière du jour, il y a un gros soleil, mais tu vois un petit peu le résultat. Donc voilà, à plus!